félicitations pour l'équipe marocaine. Aujourd'hui, c'est une quatrième place, mais vous avez gagné, c'est Abdelkbir Téton, il y a pratiquement une semaine. Est-ce que les performances de l'équipe nationale aujourd'hui, est-ce que c'est de bon augure, Inch'Allah, pour une qualification aux Jeux de Paris? Écoutez, il y avait quand même des superbes équipes qui sont très fortes, comme l'Allemagne, comme la France, etc. On a perdu notre troisième place à un point entre les troisièmes. Donc, je suis vraiment fier de mon équipe parce que c'est des garçons qui se sont battus jusqu'à la fin. Et en plus de ça, c'est une superbe performance pour nous les Marocains. On est fiers, bien sûr, de donner ce titre à notre pays. Bien sûr, sans oublier aussi Moulay Abdallah Alaoui, le président de la fédération, qui est vraiment derrière ce sport. Et tout le public, bien sûr, qui était très bien. Et je remercie encore une fois Sa Majesté qui est toujours derrière nous. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc, vous, je crois, vous n'avez pas encore préparé aux Jeux Olympiques. Inch'Allah, pour vous, ce sera un exploit d'y aller. Oui, Inch'Allah, j'étais qualifié pour Tokyo. Je n'ai pas pu y aller, malheureusement, parce que j'ai eu le Covid. Mais on va se battre et on va essayer d'être à Paris, Inch'Allah. Inch'Allah, et vous donc, Inch'Allah, ce sera... Inch'Allah, oui, c'est le rêve de tout athlète, de tout cavalier, de pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Et en plus, les Jeux vont être à Paris, c'est une ville magnifique qui a une histoire avec le sport. Donc on va tout faire, Inch'Allah, pour aller se qualifier à Doha en février pour les Jeux de Paris. Donc il ne reste pas beaucoup, donc février est pratiquement dans 3 mois, monsieur Jaidi. Donc je pense que vous allez bien bosser pour pouvoir répondre présent, Inch'Allah. Alors, bien sûr, on va continuer dans notre lancée. On a une super équipe, on a de bons chevaux, on a un super entraîneur. On a vraiment tout ce qu'il faut pour arriver. Maintenant, il faut qu'on continue, il faut persévérer. Inch'Allah, le résultat sera bon. Et sur le résultat d'aujourd'hui, quatrième derrière de grandes nations, c'est quand même quelque chose qui a fait baume au cœur. Oui, alors ça fait... Je suis un peu déçu parce que les 2-4 points que j'ai fait, j'aurais pu les éviter. Et quand on est à un point du troisième, on se dit, ok, on aurait pu mieux faire. Mais je pense qu'on manque un peu d'expérience dans des Coupes des Nations, moi particulièrement. Donc, Inch'Allah, les prochaines, on va être plus performants. First of all, I would like to thank you, the organizer here. We had a wonderful time, a very good show, super facilities, super organization. And then in the end, we won the Nations Cup. So on top of this, we are very pleased, very happy.